Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour un quiz qui s'appelle Je joue le jeu! Et ce sera un quiz sur le jeu vidéo, parce que vous avez compris, je joue le jeu, hein, jeu de mots, je joue le jeu vidéo, voilà, je suis drôle, et voilà. Et les adversaires qui vont s'affronter, les candidats tout simplement, seront le grand, le petit, le moyen, le moustique qui pique, moustique du 50. Salut tout le monde, c'est Moustique, j'espère que vous allez bien. Et son adversaire sera bien évidemment le félinique, le chatastique Katz du 50. Salut les amis, comment allez-vous? Et non, tu laisses, tu fais pas debout, refais, vas-y, refais. Je disais, salut les amis, comment allez-vous? Et ils te disent bien, ça va, à part une petite matinée qui s'est démarrée un petit peu lentement, ils vont te raconter toute leur vie. Voilà, Le soleil vient de se lever avec la famille du Corée. Ok, bon alors ça commence très bien. Ouais, tu l'as pris en montage celle-là. Non. Du Non. coup, on est parti pour un petit quiz jeu vidéo que j'ai préparé. C'est moi qui ai l'animateur, comme vous l'avez compris. C'est pour ça que je suis tout beau, comme vous voyez sur la vidéo, je suis tout beau. Je suis bien habillé, tout ça, comme lors de mon précédent blind test. Alors là, il va y avoir un petit peu de tout. Du quiz, du blind test sur du jeu vidéo. Je sais pas si j'ai assez dit comme ça, mais voilà, c'est le jeu vidéo. Voilà, Et c'est alors. sur quel thème? Jeu vidéo, je crois, mais je sais pas si j'ai assez dit encore. Ah d'accord, non, Hein? c'était pour savoir. Ok. Et du coup, il y aura trois manches qui vont que Bah je non, il n'y vais. a qu'une manche en France. Ok, bon, voilà, On hein? la coupe au montage aussi, celle-là. Non. Et il y aura trois manches. Et il y aura aussi des petits jokers. Alors, je vous explique vite fait la règle pour les jokers, parce que c'est, attention, c'est, ça va être un peu, ça faudra gérer les jokers. Je vous explique. Alors, chacun a le droit à un joker par manche. Il y a trois manches. Jusque-là, ça Donc va. je vois le cœur en tout. Alors, le candidat qui voudra utiliser son joker, il devra crier un joker sans pulpe, s'il vous plaît, avant la question. D'accord? Oh non. Alors, mais attention, si Un un sans jour, plus de cœur, s'il vous plaît. si un joueur souhaite obtenir son joker, il devra préalablement répondre à une question pour savoir s'il obtient Ah! son joker ou pas. Vous avez. Alors, c'est une question, un petit jeu, genre trouver une image ou un truc comme ça, vous voyez? Et s'il donne la bonne réponse de son joker est validé et il doublera ses points en cas de bonne réponse. D'accord? D'accord. Mais s'il Oh ne putain, répond ça y est, pas. j'ai la potion. Mais s'il ne répond pas, s'il y a une mauvaise réponse dans son joker est transféré à son adversaire et c'est lui qui obtient le double des points en cas de bonne réponse. D'accord. Ah! Ça a double Ça tranchant, a quoi. double tranchant, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, voulez-vous que je réexplique quelque chose, quelques petits détails, où ça va aller? Vous avez Allez. compris? Ouais, Alors, ouais. vous criez un joker sans pulpe, s'il vous plaît, pour utiliser votre joker. D'accord? D'accord. Alors, il y a trois manches. Je vais donner les noms et j'expliquerai bien évidemment à quoi consiste chaque jeu. Premièrement, on commencera par le screenshot. Ensuite, nous attaquerons le écoute ça. Et nous finirons par. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour la première manche? Ouais. Ouais, mais Alors. j'en ai besoin de deuxième pour mettre mon deuxième bras, quoi. Ah, bah, hey, j'allais dire, bah, retirez vos t-shirts! Est-ce qu'ils ont pas de manches? Mes Bah, c'est t-shirts! un manchot. Oh! Ah, bah, parce que si c'est un pingouin, un manchot, manchot empereur! Non, je prends comme Napoléon. J'adore déjà cette vidéo. Alors on commence par le premier petit jeu, le screenshot. Allez, jingle. Oui, parce que les jingles. Non mais Non? non mais D'accord, ce pardon. sera déjà fait dans le montage en fait. Ah, d'accord, pardon. D'accord, Alors, un vrai jingle avant. mais c'est gentil quand même, hein. C'est gentil quand même. En tout cas, il était bien le jingle. Merci. Pouce bleu si t'as aimé le jingle. Ouais, Merci, merci. tu peux pas même pas le voir. Oui, mais chut, ils savent pas ça. Ils sont pas censés savoir. Chut, mais Alors c'est du cool. coup, le screenshot, en quoi ça consiste? Alors je vous Un explique. screen qui shot. D'accord. Pardon. Je vais vous montrer des bouts d'images de gameplay ou de cinématiques de jeux vidéo. Alors attention, je tiens à dire que les jeux que j'ai proposés, vous les avez tous joués au moins une fois dans votre vie. Ou que vous avez vu des gameplays dessus. Par exemple, je prends un exemple tout bête sur The Evil Within. Je sais que Moustique n'y a pas joué, mais a vu tout le gameplay de Bob Lennon. On est d'accord? Ouais, mais j'y ai joué parce que je l'ai maintenant.
Ah bah tu l'as, bon voilà. Bon, en tout cas, avant, on dit que tu l'avais pas, d'accord. Mais hein, avant, je le connaissais que par gameplay via voilà. Bob Lennon. Et bah du coup, même si tu n'y avais pas joué, t'aurais reconnu quand même quelques mécaniques du jeu ou quelques petites images. Si je t'aurais montré un zombie spécialement de ouais, mais t'aurais pu reconnaître. Un arbuste, tu l'aurais pas. Voilà. Tout comme toi avec Last of Us, par exemple. Voilà, exactement. Voilà. Du coup, c'est voilà, bien. C'est genre. Oh, quelle transition, moustique. Merci. Et du coup, voilà, ce sera que des images que vous avez, dont des jeux vous avez joué ou vous avez vu des gameplays. Ce sera sur soit des images de cinématiques, soit des images qui viennent carrément du gameplay ou aussi de, ça peut être de temps de chargement parce que bon, il y a certains jeux que si même si je prends une partie d'image, on le reconnaît tout de suite. Hein, vous aurez compris ça. Est-ce que d'accord. Vous êtes prêts, les amis? C'est celui-là. Je tiens à te dire, juste avant la vidéo tout à l'heure, quand on était en discussion avec Snake, il m'a dit qu'il avait quand même préparé des pièges pour qu'on souffre. Non, mais ça, j'en doutais, ça. Ça, j'avais prévu. Alors, attendez, je vous dis quand même... Un joker sans pull. Ah bah, c'est... Non, c'est un... Oui, bon. En promotion, chez votre... Un joker... Oui, d'accord. Okay. Attends, juste avant, j'explique, c'est qu'il y a 12 images, voilà, pour vous préparer à utiliser votre joker avant la fin de cette manche. Il y a 12 images. Comme ça, moi, je veux montrer l'exemple aux abonnés du joker. Ah, d'accord, alors tu l'utilises un joker? Ah oui, ouais. Je crois okay. Que c'est vrai qu'il avait dit. Voilà, oh, c'est le jingle du joker. C'est... D'accord. Ah d'accord, c'est le jingle du joker, d'accord. Parce que c'est la... C'est la pub. C'est le rire du joker de Batman. Non, Batman, oui, de la série animée de 80. Voilà, je suis fier de cette vanne, merci. Bah voilà. Franchement, je suis fier de... Ouais, franchement, bien joué. Pouce bleu, mettez un pouce bleu les abonnés. En plus, c'est pas le rire du joker dans le film avec le fantôme masqué? Alors je tirais ça d'une vidéo, je ne sais pas du tout si c'est celle-là ou pas. Mais moi il me semble que c'est la vidéo où encore le Joker est dans les mains de Batman et il rigole et il a moitié amoché. Non, bah c'est pas celui-là parce qu'il y a une musique normalement derrière. Mais ça pourrait être celle-là, t'as raison. Alors je note, Moustique utilise son Joker pour l'instant. Du coup, Moustique, avant de commencer du coup le screenshot, tu vas devoir répondre à une question pour savoir si tu obtiens ou pas ton Joker. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme Joker pour Moustique? Voilà, bah je vais te prendre celui-là. Moustique, je vais t'envoyer une image. Katz, tu ne réponds bien évidemment pas. Je vais t'envoyer une image. Est-ce que je me mute? Non, bien évidemment non. Tu peux rester parler à côté, mais tu lui donnes pas la réponse parce que bah sinon voilà, il gagne le Joker, il double ses points et voilà, tu l'as dans le cul, dans le cul Lulu. Et du coup, la balayette. Je t'envoie cette petite image et tu vas me dire soit le jeu dont le personnage est issu, soit carrément le nom du personnage. D'accord. Ah ça y est, je l'ai reçu. Oh facile, voilà. C'est Vas. Ah bien, voilà, bah c'est bien, tu as non, gagné. Non, Fight 3. Tu as gagné ton joker, donc tu pourras doubler des points si tu réponds à la bonne réponse. Oui, non, si tu réponds bien à la question. Oui, si tu réponds bien à la question. J'ai pas pour... Mais si je réponds bien à la réponse, c'est qu'il y a un souci, ouais. Mais si ça peut être, aussi, si ça peut être bien. Bon, alors. Vous êtes prêts tous les deux? Il faut que c'est celui qui répond le plus vite, bien évidemment, comme d'habitude. Non. D'accord. Alors, je vous prends la première image. C'est parti, mon kiki. Merde. Crash Bandicoot. Ah ouais, putain, j'ai pas le temps. Bien joué, Katz. Du coup, Moustique, tu perds ton double point, tu l'as dans le cul, Lulu. Ah, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bah, bien joué. Ah, j'ai bien joué. Ah, et franchement, je me suis dit, il a été un peu difficile, celui-là, mais à quoi reconnais-tu Crash Bandicoot, juste pour savoir? Déjà, parce que on voit la caisse qui vient d'être ouverte juste derrière, le pied de Crash, et bien sûr. Le mec, il a reconnu quand même le pied de Crash. Moi, c'est le cristal, moi. Ah, je m'en doutais, le cristal, je me suis dit, ça va tirer. Le cristal. Ok. Bah. Le petit cristal. Et que, bah, voilà. Pour l'instant, un point. Mais voilà, il y avait trois repères, quoi. Un point pour Katz et Moustique, bah, ton joker, tu l'as dans le cul pour cette manche. Moi, c'est pas grave, c'était surtout pour faire l'exemple, en fait. Bah, du coup, écoute, tu t'es sacrifié pour le jeu, c'est magnifique, c'est exactement. Beau, c'est le fair play. Vous êtes prêts pour la deuxième image? Non. Oui. Devil May Cry 3. Oh, bien, vas-y, alors ouais. Devil May Cry 3 en plus, il me répond, et en plus, c'est bien joué, direct. Pardon. Je me suis dit, tu allais dire juste Devil May Cry, et après, j'aurais dit, bah ouais, mais dis-moi le combienième, le 3, bah bien joué. Bah oui, attends. Oh, il répond vite, le solo. Ouais. T'avais trouvé, toi, Moustique, de ton côté, juste pour non, ça. J'aurais pas trouvé, non. Mais ouais, il est dur, celui-là. Alors, attention, je pense que celui-là, il est un petit peu plus oui. corsé, faut que vous reveniez dans vos mémoires. Attention, vous êtes prêts? Ah, mémoire! Activation.
Ouais, bah, moi je cherche pas mon cerveau, là il dort. Hein. Monsieur, la dernière fois j'ai envoyé se coucher. Hein. On se rappelle des dernières fois. C'est Ah parti! oui, on sera... FIFA 90. Moi j'aurais dit FIFA 98. Ah oui, ouais. Ah, J'accorde une chance encore à vous deux. FIFA 99. Moustique, bonne réponse. Ouais. Ah non. Ouais, Ah, je voulais putain, je... absolument, fallait absolument que ce soit, je pouvais pas vous le laisser, il fallait que ce soit soit FIFA 99, bien parce que si, FIFA 90 c'est pas ça, non c'est FIFA 99. Ah, Non, j'aurais non. cru que t'aurais tilté un Mauvais. peu plus, Cass, parce que c'est un peu notre jeu, on a beaucoup joué sur PlayStation 1 à l'époque. Ah, je sais, mon mauvais. Et le Joker moustique a été utilisé, je le rappelle. Vous êtes prêts pour la quatrième image? Alors, hein, je vous rappelle qu'il y a 12 images, alors du coup ça fait... Il reste... Faites le Un peu calcul. plus de la moitié. Voilà, Ah, faites... la suite, non, c'est pas Voilà, bah c'est bien, merci Kat, grave. heureusement que tu es là. C'est parti. Kinamart, et c'est mini. Hein? Oui, c'est mini, oui. Ça, c'est bien, tu reconnais. Mais c'est Kingdom Hearts, mais le combientième? Bah, le premier du nom. Oh, bien joué, ok. Oh putain, je voulais le piéger En même sur là. temps, petit spoil. Bah, de toute façon, il n'y a pas un spoil parce qu'il sera sorti quand la vidéo sortira, mais je suis en train de faire le split dessus, donc Ah ça d'accord, aide. ok. Ouais, bah oui, c'est vrai, Ça oh, il aide. devait aujourd'hui sortir. Oh la coïncidence, que franchement, je me suis dit, il va le voir retrouver dans sa mémoire et tout. J'ai vu qu'elle était en privé, mais non, tricheur, au moment c'est de la triche, là, c'est gratuit comme Oh point. là 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 là, non mais oh là là. Bon alors, 3 points pour Comme Cass, quoi, ça fait un la point triche. pour nous. Oublie pas que Cass, t'as toujours ton Attendez, joker. attendez, juste deux secondes pause. Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire des pubs pour nos let's play. Alors regardez le let's play de Tekken 7 de Monster 50 qui est sorti. Et cher Saras, honnêtement, c'est vraiment des super vidéos. Regardez l'épisode, le let's play de Snake sur Metal Gear Solid 3 qui était vraiment génial. Regardez aussi le let's play sur Eddie Vivid Finch où c'était vraiment super cool. Ça, c'était Voilà, super. re. Alors, Ah. où étais-tu? C'est parti où? Bah non, parce qu'on me posait des questions au Bilpoil à ce moment-là. On me demandait la clé Wi-Fi. D'accord, ok, bon, c'est bon, Allez, t'es je regarde chaud? derrière la livebox et ils font pas chier. T'es chaud? On est Bon, parti pour la 5. oui, c'est bon, c'est parti. Je oui, voilà. On est parti pour la cinquième image, c'est parti. Bah, Metal Gear Metal Gear Solid 1. Solid. Bravo Moustique! Ah putain, Moustique, la rapidité quoi! Oh putain, sérieux quoi, j'avais commencé à parler, mais t'es plus rapide Ah, mais j'ai sur écrit la en premier. Hein. prononciation. Oh là là, Ouais. j'aurais cru que 4 aurait été le plus rapide sur ce coup-ci, parce que là. Ah, Bah, en fait, tu m'as j'étais le déçu. plus rapide à commencer la phrase, mais Moustique était beaucoup plus rapide à finir la phrase en Oh fait. là là, Moustique, il a une langue Ah ouais, mais je suis en train de Langue perdre, de faut que je serpent. me rattrape. Ah, mademoiselle, cet homme a une langue, vous avez vu, très rapide. Langue de serpent. Vous imaginez même pas ce que je peux faire avec. Oh! Et on est parti pour la sixième image, il reste plus que 6 images. Non, Paladin! Rudy! Non, Paladin, je suis con! Ouais, bien joué, Ah. Kat. T'avais dit quoi, Moustique? J'ai rien compris. Rocket League. Rocket Rocket League. League, Ah n'importe quoi. non. Ouais, non, non, pas du tout, non. Paladin, ouais. Bien joué. Non, mais. Ouais. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait. Je me rappelle que c'était un jeu gratuit qu'on avait eu, mais. Bah, c'était pas le bon. C'était quoi déjà? C'était le 7ème, c'est ça? Là, c'était la. Si... C'était la Là, sixième. on va passer à la septième image. Ouais, donc Joker sans pulpe, s'il vous plaît. Un joker sans pulpe, Avec j'ai. eau de glaçon, si vous pouvez, en même temps. D'accord, alors jingle le Joker. Voilà. J'adore ces jingles. Et du coup, Bah, du alors, coup, ça casse de répondre. Katz, tu vas devoir répondre à une devinette. Est-ce que tu es prêt? Tu devras dire la réponse de la devinette qu'à la fin de mon énoncé, d'accord? D'accord. Alors, je suis dans une confrérie de Yamakasi. Ma couleur préférée est le blanc. Quand je m'assois, je deviens visible. On se bat en file indienne pour m'affronter. Je suis discret et furtif. Les bottes de paille sont mes amis. Et on me traite souvent d'encapuchiné. Qui suis-je? Alors, tu peux dire soit le jeu, soit le nom du héros. Bah, c'est Assassin's Creed, mais le nom du héros. Oui! Bon, 60 quid, après, t'avais plein de monde au héros, donc. Ouais, déjà, je crois que je n'en Mais connais aucun. j'ai pris Altaïr parce que on se bat en file indienne, c'est surtout dans le premier Altaïr, parce qu'après dans les autres Assassin's Creed, ils ont un petit peu Un peu moins bête. corrigé ce défaut, mais bon, s'il est encore un peu présent, mais surtout dans Assassin's Creed, quand tu te mettais assis dans un banc, l'IA ne te voyait plus du tout, tu étais carrément invisible.
Voilà. Je remercie quand même la paille parce que c'est elle qui m'a aidé à la trouver. Parce qu'au départ, j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il me raconte là? Ah, Moi, j'avais trouvé dès le début. Hein. Oh, bah bien joué, Moustique. Bravo. Eh bah écoute, bien joué. Du coup, ça double tes points. Et du coup, on passe pour Est-ce l'image que. de. Est-ce, par contre, juste une question. Est-ce que t'aurais accepté si on aurait dit Arnaud Holz? Oh, Arnaud, si Pour je la fais la. référence. Oh, il fait de la pub pour Snake 530 mais l'enquête sur Assassin's Creed Unity. Je vous invite à les regarder parce que franchement c'est des vidéos que je suis le plus fier, que j'aime bien me remater des fois quand je suis De toute pas façon, accessible. il y en a 3 ou 4 qui sont top vidéo chez nous. Bon bah voilà, comme ça vous prouve que c'est d'assez bonnes vidéos. Voilà, bon allez on arrête de faire nos pubs, c'est parti pour l'image numéro 7. Slide, Slide. faut que je te dise le numéro. Ah ouais. Attends. Numéro. Attends, je vais le Je te Max. laisse deux chances, hein, parce que bon, il y a trois jeux, je te laisse deux chances sur les trois jeux. Je dirais le 1. Non. Stray 2. Ah Moustique. Je sais pas si je te l'accorde parce que il avait quand même là. C'est un petit Bon, peu d'accord, je lui volé. laisse. Parce Je lui que laisse, je lui franchement, il était laisse, en train de je lui laisse. chercher. Non, non. Bah. Non, après, ce truc, c'est que c'est facile. Si après il se trompe et qu'il dit Ouais, Tekken 1 et que c'est Tekken 2, moi je suis Tekken 2 et c'est Ah bon, ça, oui, c'est non, bon. non, non, je te l'accorde pas, Moustique. C'est. Là, tu. Non, Non, non. je Ça me l'accepte dégoûte. pas. Du J'accepte coup, pas, donne-le. je donne le point à Kaz parce que tu as répondu, tu as presque volé la réponse, j'ai envie de lui dire. Du coup, Kaz, ça te fait 2 points de plus. Voilà, ton joker est validé et a été complété. Voilà, pas comme un certain Merci. Moustique du 50. Hein. Voilà. Ouais, moi je l'ai aidé. Alors, plus personne de joker, on passe pour l'image numéro 8. Non. Tekken Ah Tekken 1, t'es sûr? Tekken 3. Ah non, de toute façon, je suis con. Non, Bah. mais c'est vrai. Continue musique. Bah. Tekken 2? Non, c'était Tekken 3. Ah merde. Du coup, là, tu t'es retrompé une deuxième fois, du coup, j'ai oublié de faire le point à 4. Cheating de merde, ouais, vas-y, bien joué. Eh Eh mais bien en plus joué, je Katz. suis. Ah, franchement, là, comment? Ouais, c'est Bah, ça. et t'as volé la réponse tout à l'heure, tu lui rends. Voilà, là, pareil, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je lui dis, vas-y, continue, dis ce que t'as à dire. Je dis, Disney considère pas la réponse, point. Voilà les Non, chances mais qu'il donne moi, au comme il Mexique. te répondait pas, j'ai cru que c'était la mauvaise réponse, Tekken 3, c'est pour ça. Enfin, Bah, c'est. bon, c'est pas grave. Image numéro 9. Un 9 sur la poêle. Last of Tomb Us! Rider. Moustique, Non, bien c'est Last of répondu, The Us. Last of Us. C'est Ah Ellie, putain. c'est pas Lara Croft. Ah, C'est quand elle chasse j'ai tout voulu, ça. j'avoue, j'ai voulu faire un piège parce que Lara Croft, ils font aussi de la chasse dans le nouveau Lara Croft, je suis pas Ah raté. ouais, Et putain. du coup, je me suis dit, C'est ta si grande j'arrive image, quoi, c'est mieux. à couper l'image pour on voit que c'est une femme, mais pas forcément que ce soit Ellie, ça peut faire une confusion et je voulais faire ça. Ah ouais, et T'as puis en plus, j'ai même reconnu pas la la grande chasse au image. cerf. T'as reconnu la chasse au cerf. La chasse au cerf, pardon. La chasse au C'est un cerf. volant. Oh, eh, il y a le bon chasseur, eh, il y a le bon chasseur. Et du coup, Bon choix, reste du bon ça pigiste, fait oui. 7 C'est du points pour caribou. Katz et 3 points pour Moustique. C'est parti Ah, pour c'est mon code. la 10e image. W2K16. Non, le 17, le 17, le 17. Tu m'as dit 2K16? Je prends ta première réponse, c'était ça. Ah, c'était le 16, oh la C'était chatte. le 16. Je crois que Bah oui, j'ai j'aurais. pas le Okay. 17, je suis con, bah oui, le 16. Je crois que j'aurais dit qu'après, je crois que j'aurais tombé de numéro, quoi, tu vois. C'est bah oui, c'est Roman, c'est bah oui, c'est dans mes gameplays que je t'ai filé, je crois. Non, non, c'est dans un truc que j'ai pris En en entrant dans mes image. gameplays que je t'ai filé. Je Ouais, déconne. attention, 11e image. Ah, il va être dur celui-là, hein. Je sens qu'il est dur celui-là. Rainbow Six Siege? Non. Katz. Tomb Raider. Chante. Attends, il y a un truc qui Katz, tu n'es pas loin de la réponse, mais je veux le nom complet. Ah ouais, mais je sais plus comment il s'appelle celui-là, le Ah, je dernier. sais! Bah. Je sais! Je peux? Vas-y, c'est toi. Rise of the Tyrander? C'est ça, bravo, bien joué, Moustique. Bah, le pire, c'est que c'était Merci, celui-là que je Katz. pensais, mais je connaissais même pas le nom en anglais. Donc là, j'ai aucune chance. Je faisais pas du tout le nom en anglais, j'aurais jamais trouvé lui. Mais merci de m'avoir indiqué Eh bah, tu Tomb Raider. sais, ça me fait plaisir. Voilà, j'aime bien les gens fair play, ils se donnent des réponses, des fois ils se les volent, mais Oh, ils se les on se renvoie accordent. la balle. Oh, quel bel fair play, c'est pas souvent qu'on voit ça, les enfants. Prenez exemple sur ces magnifiques personnes. Allez, c'est parti pour la dernière image.
World of Among Us. Ah, bien joué, c'est ça. J'ai mis trop de temps à tilter. Et Moustique passe à 6 points, du coup c'est très serré du string cette histoire. Ah oui, et sachant que si on fait égalité, on a un gage chacun 4, donc faut pas qu'on fasse égalité. Hein. Oui, ah ouais. J'espère que Et vous comme il allez a faire. des gars, et comme il m'a dit qu'il avait Oh des non. gages de sadique. Oh non, je vais mettre ça. Du coup, on passe à la deuxième manche qui s'appelle Écoute ça, jingle. Alors. Pas de jingle. Voilà, merci. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le Écoute ça. En fait, je vais vous passer soit des musiques de jeux vidéo, soit des. Comment Sans dire? bruitage. Des sons bruitage, voilà exactement, Katz, merci. De jeux. Par exemple, ça peut être un bruitage, par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple sur. Non, un chat qui miaule. Oui, mais dans quel jeu vidéo tu vois un chat qui miaule? Dans Voilà, plein de plein jeux de vidéo. jeux. Dans GTA 5. Oui. Pas, Oui, dans la sur PS4, il y en a sur PS4, t'es obligé de dire oui. D'accord, bon alors oui, voilà, un chat qui miaule, par exemple, faudra découvrir que c'est dans GTA 5, même si personne peut trouver ça, mais bon, C'est un voilà, peu, ouais. si on peut trouver, voilà. Mais La voilà, preuve. soit ça peut être des bruitages de jeux vidéo, soit ça peut être une musique du jeu, parce que des fois il y a certains jeux, comme vous comprenez, le bruitage, ça peut être par exemple juste des flingues, mais entre plein de jeux qui a des flingues, vous allez jamais découvrir, vous allez mettre 30 ans pour découvrir, voilà. Putain, mais j'en ai. Est-ce que, et vous avez tout, et vous pouvez maintenant utiliser aussi, bien évidemment, un joker pour cette manche. Non, non. Ok, Et du coup, il y a est-ce combien que en vous... tout en fait? Ah oui, Il y en a pardon, combien en tout? oui, bien, merci Kat. Alors, deux... Alors, attends, une, deux, trois, quatre, cinq, six, six, six sons. Six ou six, Six sons, d'accord. six. Est-ce que vous avez compris, vous voulez que je vous réexplique, c'est bon? Non, Non, c'est non. bon, ça va le faire. Ok, alors on s'est parti pour la première musique. Zombie La boîte à Call of Duty musique. Black Ops 2. Moustique déjà, tu m'as dit quoi? Call of Duty Black Ops 2. C'est pas ça, Katz? Sinon, moi, j'avais dit que c'était la boîte mystère dans Call of Duty Black Ops 3. Non, zombie. Là là. Écoute, je vais accepter ta réponse, Katz, parce qu'elle est plus complète que Moustique, parce que Moustique t'a dit Black Ops 2, zombie, c'est pas Black Ops Black 3. Ops 2, c'est pas Black Ops 3. C'est la boîte mystère, comme a dit Katz, mais c'est de Ah Black mais Ops ça 1. j'avais trouvé le con, Mais putain, chier. après, je peux Bah après, rappeler. Après, le c'est truc à c'est peu que je près crois que War similaire, elle avait la même quoi. mais la boîte mystère a un certain léger différence selon les Call of. Mais c'est vrai, alors celui-là que j'ai pris vraiment du Black Ops premier du nom. Parce que Mais moi du coup, pour Katz intro zombie, est moi j'avais plus. utilisé celle de Oui, il est War. plus proche, je suis d'accord, elle est Mais plus chère. Katz est plus proche de la réponse. Voilà, parce Ah qu'il a dit mais la boîte ça mystère. j'aurais dû dire la boîte mystère, j'y ai pensé en plus. Du coup, deuxième son. J'ai mis ma licorne et une même licorne. Oh yeah, oh yeah. Du reggae. Personne ne trouve. Oh là là. Non? Vous avez... Personne? Vous Est-ce que voulez... t'as déjà, est-ce que tu peux remettre des musiques de jeux qu'on a déjà vu dans des images, par exemple? Non. Non, D'accord. non, non, il n'y en a pas. Non, non, non. Putain, c'est un. Franchement, là, je suis déçu. J'aurais cru vraiment que vous l'auriez Remets-la trouvé s'il te direct. plaît, tu peux la remettre ou Je la pas? remets encore une fois. S'il te plaît. Je sais le malaise, c'est que j'arrive pas à savoir c'est quoi. Je vois pas à quel jeu j'ai vu ça. Oh là là. Quand je vais vous le dire, ça va vous sembler évident. C'est ça le pire en plus. C'est un menu principal déjà. Allez, je vous laisse 30 secondes. Faut réfléchir, Dragon sinon. Box Universe 2. Alors attention, je veux bien, mais faut que tu me précises c'est de quelle musique. Sinon, je ne La t'accorderai maison pas. debout! La maison debout! Oh, bien joué! Il a bien rattrapé au dernier moment. Bravo, Moustique! Bravo! Ah, voilà! C'est venu dans ta tête, putain! Putain, la vache est de loin, Ouais, et pour, pourquoi, Kat, tu m'as hein. envoyé une licorne sur Skype? Ouais. Parce que j'aime bien les licos. D'accord. Et Kat, ça fait pas du tout tilté? Bah alors là, même après ça, je suis encore en mode what? C'était quoi? C'est ça la musique de Boo? Je me rappelle même pas. C'était ça la musique de Boo quand on arrivait dans le tout nouveau. Un Joker sans Un pulpe! Joker sans pulpe, attention Et sans glaçon. et sans glaçon, oui. Attention, jingle Joker.
Je fais ça pour que, rien que pour Moustique, parce qu'il adore, je sais qu'il adore. Du coup, Moustique, tu vas devoir répondre à une question, ou même peut-être pas. Attends, voyons voir, qu'est-ce que je vais pouvoir te donner à toi. Tactique. Bah, si tu vas. Bah, tiens, en, comme on est dans le thème du son, tu vas devoir reconnaître de quel son. De la musique, de quel jeu vidéo vient cette musique? Merci! Putain, ça mérite un point de plus pour moi. Elle est revenue de loin, ce truc. Alors attention, tac-tac. Tu es prêt? Oh merde, je te l'ai envoyé, excuse-moi. Je me suis trompé de touche. Est-ce que tu peux la baisser un petit peu parce que c'est ouais, rien parce que c'est saturé en fait. Ah bah ouais, excuse-moi. C'est un peu saturé. Ah bah trop tard, j'ai vu. Ouais. T'as vu? Ouais. Bah en fait on voit le dossier, ouais, on voit le dossier. Ah merde. Bon, bah, on voit le nom du dossier. Mais j'aurais deviné de toute façon. Je crois que c'était non, honnêtement, sans déconner, pour pas me la péter, j'aurais deviné. Alors, j'avais reconnu un petit peu, c'était trop fort, mais j'avais reconnu un petit peu. Mais tu peux faire autre chose à la place. Envoie-moi autre chose. Attends, je vais demander, est-ce que Kat, tu veux bien que je lui accorde son joker ou pas? Oui, ça me dérange pas. Moi, je suis un homme comme ça. Tu as le droit de le refuser si tu veux que j'essaie de lui trouver autre chose. Mais mais refuse, envoie autre chose. Vas-y, ça serait trop bon. Oh bah, vas-y, envoie autre chose parce qu'il insiste. Moi, je j'aime plus. Ok, bah, par contre, attendez, parce que moi, là, comme un con, je suis sans rien du coup. Quelle est la couleur du cheval blanc dans les 4? Bah, blanc. Non, avec une noire. Parce que j'y repars après. Bon, ouais. Allez, une autre musique un petit peu remixée. Voilà. Oula, ça me dit quelque chose. Je coupe là, voilà. T'as pas reconnu? Oh, de ouf que non. Non, pas du tout. Tu veux que je te repasse un coup? Ouais, je veux bien, mais t'as baissé le son du coup. Attends, je te le remonte. Non, je suis allé. Putain, je vais bon, pleurer. C'est beau. Tu te trouves pas? Bah non, j'ai pas. Bon, bah désolé, ton joker a perdu, c'était Metal Gear Solid. Oh non, j'aurais pas reconnu. Bon, version piano. Bon, voilà, bah t'as pas de joker du coup. Ça, c'est beau, putain. Oh, c'est beau, putain. Bon, allez, on est reparti. Putain, c'est beau, oui. Allez, c'est parti. Écoute ça, alors, du coup... Il reste encore 4 sons. Alors, Cass, voilà, si tu veux utiliser ton joker ou pas pour après. Il reste encore 4 sons. Alors, voilà, c'est parti pour l'eau. Je vois qu'il y en a 6 en tout. C'est un bruitage, hein, je tiens à signaler. Ah, d'accord, c'est un bruitage. Alors, je dirais un Batman. Non. Écoutez bien, parce que c'est très subtil. Faut vraiment. C'est un jeu que vous avez joué tous les deux en plus. Qu'est-ce qu'on a joué tous les deux? Voulez-vous jouer remettre une deuxième fois? Ouais, remets parce que ouais. C'est un bruitage. Vous trouvez pas, quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais c'est tellement. Je croyais pas qu'elle allait être difficile en plus, celle-là. Bah, le bruitage, en fait, j'ai l'impression de voir ce que ça c'est, mais. Ah, tu le sais, mais t'arrives pas à le sortir, hein, t'arrives pas à le savoir. Bah, je vois à peu près ce que ça peut être. Vous laissez 30 secondes pour réfléchir, sinon vous n'aurez pas trouvé. Un truc qui est pas dans les autres joueurs en plus d'avant. Moustique, t'as rien? Oh, que dalle. Tekken? Non, ça veut dire rien. Non. Metal Gear! Non, bah, bon, c'est fini. C'était le changement de personnage dans GTA V.
Ah mais bon, oui, bah c'est mais bon, quel abruti. Ah, bravo, ça va, je me sens bien. Putain, je suis bleu. Pour le coup, j'ai joué à GTA 5, elle est ragée. Moi, ça va. J'en étais sûr qu'il y en a qui allait rager. Putain. Non, moi, ça va, je suis pas déçu. Pour le coup, j'ai joué à GTA 5. Au final, je regrette pas d'avoir raté mon Joker, j'aurais pas trouvé. Bon, alors, attention. J'avoue. On arrive à la quatrième, quatrième saut, il en restera plus que deux après celle-ci. Vous êtes prêts? Bah du coup un joker sans pulpe et deux glaçons et si vous pouvez peut-être un petit citron par-dessus aussi. Ok, merci. Alors attention, jingle joker. Ah je suis beau public hein. oui j'entends ça, alors attention. Et juste après ça tu mets le son de dingo et je suis je vais te envoyer une petite image. Et tu oh, vas c'est donc... Et pas tu de vas... nuit, on avait dit. Et tu vas découvrir à quel jeu ça correspond. Ça correspond. Tu es prêt? Avec un pont, d'accord. J'espère que tu vas te rater. Oula. Ah, oh, facile. Oh, bah, Dragon Quest 8. Oh, bah, c'est du Rabuti. Et c'est l'intro de combat. Oui, bah, oui, bah, voilà. C'est une autre précision. Non, c'est bon, c'était magnifique. Tu veux des précisions, Oustique? Non, c'est bon. C'est bon, ok. Bah, alors là, on voit Yogi, c'est quand même un bouquet de fer. Apparemment, il a l'air d'avoir une hache en main. Non, mais c'est bon. Ok, le joker est validé. T'as ton joker, il est bon. Alors, attention, on attaque pour la quatrième son. Mais David. Un point pour. Enfin, deux points pour 4, parce qu'il a doublé ses points. Bien joué. Oui, c'est quand il tue quelqu'un, quand il tue un zombie, que son âme vient dans le calice. Voilà, bah c'est ça, c'était Medieval. Bon, je connaissais même pas ce jeu, qu'on veut plus que je devine. Il en avait parlé, en plus, Katz, il y a un petit moment, déjà. Ah ouais, mais moi j'ai dormi entre-temps. C'est pas faux. Bon, allez, c'est parti. c'est parti non, pour l'avant-dernier son. Sonic. Ah non. Oui, bien joué, Sonic. Ah, l'autre, il est en train de rager. Ah, j'aime bien ce qu'il y en a qui rage. J'aime bien chacun de vous à rager au moins sur un truc. C'est bien, c'est cool ça. J'aime bien faire rager les gens. Mais c'est la triche, t'es en train de choisir ma licorne. D'accord, bah, fallait pas choisir ta licorne et puis c'est tout. C'est bravo, Moustique. Du coup, on est parti pour le dernier son. Le dernier moustique. Uncharted. Oui, mais pourrais-tu me dire le combienième? Ça faisait trop un début de Tarzan. J'hésite. Je dirais Uncharted. Comment il s'appelle le premier? Bah le premier, tout simplement. Non? Je te laisse une dernière chance. Parce que je suis gentil. Nathan Drake Collection. Non, c'est pas le 1. C'est un Uncharted, un Uncharted qui est sorti normal, un Uncharted. Ah, le 2 alors. Oh, mais non, c'est pas possible, c'était le 3. Oh putain! Le 3, ça, c'est un salon de jeu. Mais non, le 1, il est pareil, arrête tes conneries. Ah non, c'est la musique de l'intro du début de Uncharted 3. Ah, le c'est pas fait récemment, en fait, tu vois. Ouais, et bah écoute, ouais. Tu ne t'accordes pas de point. Il a rien trouvé. Hein? 0 points pour 4, il a rien fait, il a rien dit. Bah, j'ai pas donné le point pour 4, j'ai dit pour toi, t'as 0 points. Ok, bon, je suis d'accord. Ah non, mais je l'ai pas donné le point, il a rien dit. N'empêche, ça aura fait jouer une vieille intro de jeu de Tarzan. Oui, si tu le dis. Il vient utiliser verser Joker, ce con. Et 8 points pour Moustique. Ah ouais, mais ouais, c'est chier. Bon, c'est parti pour la troisième et dernière manche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jingle? Voilà le jingle. Pas de jingle. Voilà. Et alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En fait, je vais vous traduire des noms de jeux vidéo, hein, des noms de jeux vidéo anglais, bien évidemment, parce que si je traduis français en français, ça marche pas très bien. Vous voyez, ça va pas du tout. Pareil, je donne un exemple. Par exemple, Red Dead Redemption. Je le traduis en la rédemption morte rouge, on va dire, hein. C'est une traduction vraiment biaisée. Ouais, voilà. Du coup, voilà. Putain, faut être bilingue en plus. Ouais, et du coup, il faut. Là, j'ai pas de langue. À partir de la mort, la rédemption de la mort rouge, faudra que vous deviniez c'est de quel jeu, bah, donc Red Dead Redemption. D'accord. Vous avez compris?
Il y en a combien? Vous voulez que je réexplique? Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. D'accord. Et bah, tu sais quoi? Un orange en pub, fait tout de suite, et ça, avec deux glaçons. Ok. Ah, ça marche pas, il y a un orange, j'ai pas l'air d'ok. Parce que moi, j'ai des grosses couilles. Ok, alors, tu vas devoir répondre. Tu vas devoir. Comme je les ai mal utilisés, peut-être que je vais mal utiliser. Je vais t'envoyer une image. Cool. Et tu vas devoir deviner, c'est une image artwork, ça veut dire un peu artistique. Ouais, dessiné, ouais. Voilà, et tu vas me dire à quel jeu ça appartient. Un peu art, quoi. Tu es prêt? Ah ouais. Moi aussi, je vais regarder. J'agrandis parce que je vois rien. Oui, vas-y, moi, agrandis. Hein. Attendez, ça charge. Moi, c'est bon, je t'ai agrandi, je regarde. C'est un fanfiction, c'est ça? Enfin, ouais, vas-y, change mon cours, arrête. C'est un artwork, comme on dit. D'accord. Attendez, je vois rien, et il y a le truc de Sam qui est devant, en fait, ça me saoule. Attendez, je l'écarte. Non, mais Internet Explorer, je m'en fiche. Alors, c'est son ordinateur qui ne veut pas qu'il retrouve la réponse. Alors, vas-y, qui troll. J'hésite, mais je dirais Evil Within. Non. Tu n'as pas eu ton joker, c'était Resident Evil 7. Mais oui, les ombres, mais quel abruti! Mais oh là là! C'est pas possible! T'as gagné aucun de tes jokers, Moustique? Putain, ils sont mal utilisés aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, j'ai hésité. Je suis désolé, franchement, je croyais que celui-là t'allais le trouver. Et mais ton oui, cerveau a dit non en fait. Mais quel abruti! Bah, c'est pas grave, de toute façon, je gagnerai son joker, c'est beau ça. Ok, voilà, alors. C'est parti pour le qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous. Le premier mot à traduire: le loup est parmi nous. The Wolf Among Us. Aïe. Voilà, un point pour Moustique, c'était assez facile à deviner. Hein. Et voilà comment j'aurais pu gagner deux points faciles. Parti pour le deuxième, vol de voiture. J'étais un grand F-auto. Oui. Attention, troisième, seul dans le noir. Ah. Seul dans le noir. Seul dans le noir, t'as entendu, Katz? Oui. Seul dans le noir. Non, personne. Black Ops. Non. Après, vous pouvez le traduire en anglais, hein. Ça marche aussi. Seul dans le noir. Personne? The Last Dark? Non. Désolé, c'est fini. Only Alone is the Dark. Ouais, je connaissais le premier jeu qui a inventé le survival horror. Voilà. Ah non, bah j'aurais pas dû, tu vois. Une petite dédicace à ce grand jeu. Voilà, un vieux jeu. Mais qui a quand même lancé les jeux d'horreur. Voilà. Bon, alors on a attaqué la quatrième. Il reste encore 4 autres. Joker sans pulpe, mais mettez pas de glaçons. D'accord. Mettez un deuil point, s'il vous plaît. Mais un truc dur. C'est parti. Alors, le Joker, qu'est-ce que je pourrais bien te faire? Un truc dur, t'es bien gentil. Ah bah, de toute façon, juste les translations, c'est dur. Hein. Tiens, bah celle-là, tiens, ça va être un peu d'histoire. Alors, attention, si tu dois répondre, à une question, Katz. La première... tu attends la fin de ma question, si tu pourrais répondre, s'il te plaît. La première apparition de Sonic fut dans... Réponse A, Sonic the Hedgehog. Réponse B... Rad mobile, réponse C, Alex Kidd, ou réponse D dans mon cul. J'avais qu'à la réponse D pour le lol. Ouais. Là, juste sur la vérité, et t'imagines sur la vérité. Attends, après Rad Kidd, t'as quoi? Alors, réponse A, Sonic. Après Alex Kidd, c'est dans mon cul. Réponse B, Rad mobile, réponse C, Alex Kidd, ou réponse D dans mon cul. Attends, Rad mobile. Rad mobile? Ouais. Je valide la réponse, c'est votre dernier mot, mon cher? Je sais mon dernier mot. Eh bien, c'est bien ça, c'est Radmobile. La première apparition du personnage de Sonic n'est pas dans le jeu Sonic the Hedgehog sorti en 1991 sur la console Mega Drive, mais dans Radmobile, un jeu d'arcade de course où il apparaît comme un diffuseur de parfum accroché au rétroviseur. Le jeu Sonic était en développement en ce moment-là. Voilà. Moi, j'aurais bien utilisé. Attends, c'est pas encore fini. Oui, mais au moins, j'ai trouvé tous mes jokers. Petit moment. En plus, je suis sûr que t'as du au pif en plus. Pas derrière, ouais, mais ça marche, écoute. Ah, moi, j'aurais dit Alex Kidd, tu vois. Alors, attention, on est parti pour le quatrième. Alors, attention, je rappelle que Katz a le joker. C'est parti. Appel du devoir, opération secrète.
Call of Duty Black Ops. Oui, du coup, Mkat se double ses points. T'aurais t'as deviné ou pas? Je, ouais, mais j'ai hésité. Tu savais que Call of Duty, ça veut dire rappel du devoir et c'est la suite que. Et j'ai opération secrète, ça veut dire Black Ops. Voilà, ouais, je sais. Bah, je l'ignorais. Bah, je savais, mais j'ai hésité. Attention, vous êtes au taquet? Ouais. Engrenage métallique solide. Métallique solide. C'est Kat qui a répondu en premier. Ouais. Bien joué. Attention. Infâme. Infamous. Ok, il est au taquet, Kat. Alors attention, avant-dernier. En être loin. Alors là, il va être difficile celui-là. En être loin. Alors attention, je rappelle que c'est vraiment des traductions que j'ai pris vraiment de Google Traduction, quoi, qui traduit. Attends, vraiment inverse, c'était un peu plus confiant. Hein? En être loin, c'est ça? En être loin. C'est un jeu que vous avez tous les deux joué. Non, peut-être pas 4. Je sais plus. Ah, oh, peut-être pas moi, ouais. En être loin, c'est ça? En être loin. Je vous laisse encore quelques secondes. Non, je vois pas. Et ben, c'était Far Cry. Et ouais, hein, c'est con, hein. Far Cry, ça se traduit en être loin. Bah c'est putain, fou. C'est de la merde, hein. Ouais, hein. Le Cry, c'est pleurer, normalement. Bah, c'est, ouais, c'est ça, c'est pleurer, tout ça, ouais. En traduction, c'est, non, en fait, les deux mots ensemble forment en être loin. D'accord. Si vous les séparément, oui, ça fait pleurer tout ça, mais apparemment, quand si ils sont ensemble, non, mais ça, c'est Google l'anglais. Traduction le fait en être loin. Après, c'est une, mais bon, c'est franchement, il y a que celle-là qui le dit, hein, parce que j'ai essayé plusieurs fois. Si je comparais à Devil May Cry, ça avait aucun rapport. D'accord. Ah, il était difficile, j'avoue celui-là. Bon bah écoute, ça fait aucun point pour personne. Du coup, un point pour Monsieur Invisible. Voilà. Bon Jean-Paul. Bon attention, parti Jean-Paul. Pour le dernier. Envahisseur. Invaders. Eh oui, c'est ça. Ah bien joué. Et du coup, c'est Katz qui gagne le jeu du quiz. Le jeu joue le jeu. Bien joué à toi, oh, c'est gentil. Bravo. Merci. Eh ben écoute, du coup, Moustique a perdu. Putain, mon gage, j'ai peur. J'aurais bien voulu que vous tombez ex aequo pour avoir tous les deux le gage pour que je puisse avoir ma vengeance, mais ma vengeance ne sera que plus belle la prochaine fois, hein, Katz. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Et donc, la prochaine fois, il veut faire un jeu où je vais gagner directement. Et du coup, là, je peux faire... Ah, ouais. Je vais lancer juste le jingle Joker pour faire le rire maléfique du Joker, parce que là, c'est le gage de Moustique. Non, là, j'aime pas trop ces jingles, donc. Du coup, allez, ton gage, Moustique, allez. C'est que dans un prochain Dragon Ball Xenoverse en coop, mm-hmm. tu vas devoir prendre le Cyberman de ton choix, de n'importe quelle couleur. Un Cyberman, oui. Je précise, hein. On va jouer dans des missions expertes, bien évidemment. Oh putain. Oh non. Et ce n'est pas fini. Tu n'auras pas le droit de te redonner de la vie. Voilà, hein. À chaque fois qu'on te réanimera, tu devras dire: oh gloire à Snake, le plus grand de tous les Snakes. Jaco, c'est de la merde. Bellman, ouais, c'est le meilleur. Ça, ouais, mais attends. Et si Kat, s'il me réanime. C'est pas pareil. Que ce soit moi ou lui, il faut que tu dises ça. Tu pourras m'envoyer parce que d'ici là, genre. Oui, t'inquiète pas, je vais tout envoyer, ne t'inquiète pas. Mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Ta gueule, toi. Pendant toute la durée de notre coop, à chaque fois qu'on dira des choses sur tel ou tel personnage, tu devras confirmer. Par exemple, si je dis que Vegeta c'est une petite fiotte, tu devras dire oui, c'est une petite fiotte. Non, non, ça c'est. Ah, oh, c'est méchant. Quand je dis que ma vengeance est un plan qui se mange froid, moi je le multiplie par 1000. Oh, mais non, bah, ah non, et là il est glacial. Non, ah, on va manger surgelé. Ah, ah bah ça... ouais, c'est des esquimaux. Et voilà, bah ça vous allez vous en mordre les doigts. T'inquiète pas, Cass, ton prochain, n'inquiète pas, moi. Il est aussi bien dur que ça. Alors voilà, je rappelle vite fait pour les abonnés. Le gage de Moustique, il devra dans un prochain Dragon Ball Xenoverse 2 en coop
se prendre un Cyberman de n'importe quelle couleur de son choix. Il n'aura pas se soigner, bien évidemment. Et si on veut, je peux le soigner moi-même, si un gros connard. on pourra le soigner moi-même à part si je t'autorise ou pas. Voilà, c'est moi qui autorisera. S'il se fait réanimer par quelqu'un, on sera en mission experte aussi, j'ai oublié de le dire. S'il sera réanimé par quelqu'un, n'importe qui que soit moi ou Katz, il devra dire « Oh, gloire à Snake, le plus grand des Snakes, Jaco c'est de la merde, Effelman c'est le meilleur. » Et voilà, il va bien morfler sa tronche, ça va être rigolo, je vais pouvoir enfin m'en venger. C'est mon petit gage de la vengeance. Et là, juste pour le lol, je vais relancer. Oh oui, mon vengeance, ma vengeance, enfin ma vengeance. Et ben voilà. Et ben écoutez, hein, j'espère que cette petite mini-jeu, hein, sur le quiz jeu et image sur je joue le jeu vous aura plu, hein. Moustique m'envoie des grosses saloperies via Skype, mais ça vous en doutez un petit peu, je pense, hein. Voilà. Katz, est-ce que ça t'a plu? Moi, très bien, j'ai gagné. C'est très bien, si t'as gagné. Oui, du moins, c'est bien. Si t'as gagné, c'est bien. Non, mais là, je me sens mal parce que ça fait deux fois que je gagne à des jeux comme ça. Le prochain, il risque de faire mal. C'est ah, à part si c'est 203. Si c'est 203, ça va. Si. Et Moustique, as-tu aimé ce petit jeu? Oh, j'adore. Je crois que ça veut dire oui. Vas-y, insulte-moi sur Skype, j'adore ça, ça m'excite. Voilà. Non, bah, c'est. Honnêtement, je gueule, je fais le malin, enfin, je gueule et tout. Mais honnêtement, ce n'est que justice. Oui, voilà. Et j'espère vraiment que Katz va perdre parce que je suis vraiment curieux de voir ce que tu lui as préparé. Ah, oh, j'espère que je vais pas perdre. Oh, j'ai tellement envie qu'il perde. Cette fois-ci, la prochaine fois, j'espère que la prochaine fois, fais-moi un truc. Au pire, on cheatera. Tu vas t'entraîner et tout. Tu vas faire comme Rocky. Tu vas t'entraîner. I want the tiger. Inanana. Il va tout. Ah, c'est gentil, Katz. Tu me vends du rêve là. Ouais, je sais bien. Mais prépare-en un vite. Je suis sûr qu'il est déjà prêt en plus. De quoi? Le deuxième quiz que tu vas faire, je suis sûr qu'il va être vite prêt. Le deuxième quiz, peut-être pas pour l'instant, mais en tout cas, mon gars, je suis sûr qu'il est prêt depuis un bail. Hein. Oh, oui. Comme Nathalie, il dort dans un placard menotté avec. Oui. Il a des cadenas. Non, ne me sors pas! Putain, personne n'a calculé ma blague, je suis dégoûté. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis sûr, mon gars, il m'attend depuis un bail, et moi j'ai dit, comme Nathalie, bye. Je connais pas Nathalie Baye. C'est qui Nathalie Baye? C'est une actrice, je crois. Attends, je vais regarder. Des blagues, il l'a inventé. Bon, en tout cas, je voulais faire un jeu de mots, ça existe. Non, mais je crois que c'est une actrice en plus. Okay. Bon, attendez, je vais vérifier. Bah, va me vérifier de ton côté. Et là, c'est une actrice porno. Révélation. Ouais, et j'espère que cette. Parce que là, le cookie baye. Chut, c'est dégueulasse. Du coup, j'espère que ce petit quiz vous a plu sur Je le joue le jeu. J'espère que de votre côté, les abonnés, vous avez réussi à trouver toutes les réponses. Comme ça, vous avez montré que vous êtes plus intelligent que nous. Hein, voilà. Et si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Ça veut dire que vous êtes toujours plus intelligent que nous quand même. Ouais, parce que j'avoue, t'as l'air de les prendre pour des cons un peu. Non, mais ils auraient sûrement trouvé. Mais je veux dire, pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est parce que c'était trop difficile pour nous. Voilà. Pour eux. Ah, voilà. C'est, tu vois, j'avais raison. Nathalie Baye, c'est une actrice. Ok, bon bah écoute, j'espère qu'elle a pas cookie bye. Et on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. Mais en plus, c'est une coquine en ce moment, elle a 69 ans. Oh là là. Bon allez, partagez la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur moi, Moustique ou Katz, je ne sais pas. Et alors, retenez-vous bien pour le gage de Moustique qui va être sanglant. Là, j'ai hâte. J'ai très hâte. Voilà, salut tout le monde et portez-vous bien. Salut. Salut.